Bonjour. Bonjour à tous, ici Wiz974. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon armoire Airsoft. Je vous ai déjà fait des vidéos, mais j'ai dit que c'était des nouvelles et tout. Et j'ai toujours reçu des nouveaux trucs parce que voilà, enfin, je suis pressée de faire de l'Airsoft et tout. Du coup, ce matin, j'ai reçu mon sniper. Je vais vous faire une review dessus. Et du coup, je vous représente mon armoire. J'aurai peut-être d'autres trucs, du coup, il faudra que je refasse d'autres vidéos. Pour commencer, on a un petit panneau, interdit, comme voilà. J'ai tout réorganisé, hein. Là, il y a ma cagoule de chez Shopgun, mon casque de chez Security Shop, avec le patch France. Là, on a un stalker camouflage. On a un holster pour toute arme. On a mon filet de camouflage. On a mon sniper. Précisé, le filet de camouflage n'est pas pour mon sniper. Hein. Là, on a mon Glock 17, mon Elite Force. Ils sont à spring. Hein. Là, on a ma trousse de soins. Une ceinture. Une montre. Un couteau suisse. Une lampe. Alors, débit de 0,25. Ici. Là, des petites billes que j'ai reçues dans mon sniper 0,20, je crois. Et ici, débit de 0,12. Alors, dans mon coffre, il y a... Attendez, hein. Dans mon coffre, il y a mes deux bébés loaders, ainsi que mes deux chargeurs de sniper. Mon chargeur de mon Elite Force et mon chargeur de mon Glock 17. Voilà. Je referme. Je pense que... Voilà, enfin... Mettez-moi dans les commentaires si je dois rajouter des trucs. Alors, on ouvre le tiroir en dessous. On a toutes les factures. Un petit catalogue qu'on m'a donné. Là, c'est le truc de mon coffre-fort. Là, on a le magasin où j'achète tous mes équipements. Alors, on descend un peu plus bas. Là, on a mon t-shirt de chez Américain... Américain, je sais plus quoi là. Là, on a mon pantalon de chez les Decathlon. Là, on a une mallette pour mes deux armes. Là, on a une housse pour mon sniper. En sachant que, comme mon sniper est très grand, comme vous pouvez le voir, ça rentre pas dans la housse avec la lunette. Du coup, il faut démonter la lunette. Il faut. Quand tu vas en partie, il faut que tu la remontes, il faut que tu la redémontes pour la sortir. Enfin, c'est toute une histoire, quoi. Et voilà. Alors, je vais pas préciser, il y a une sangle ici. Et là, il y a des petits attaches pour retenir les armes. Là. Voilà. Et puis, abonnez-vous et mettez un j'aime.